Allô, je m'appelle Catherine, je suis entraîneur au Sepsum. Aujourd'hui, je te propose un entraînement de musculation pour le haut du corps. Super court, ça va durer 4 minutes. Ça va te permettre de prendre une pause d'étude de ton cours, ça va te faire du bien. Fait que tu as juste à t'installer, pas besoin de grand-chose, un peu d'espace autour de toi, une chaise. Puis si tu as soit un poids, des livres qui sont lourds ou n'importe quel objet lourd, bien, tu vas en avoir besoin. T'es prêt? On y va! On est parti! Donc, viens chercher ton poids, ton objet lourd. On commence avec des tirables. Fléchis les genoux et viens tirer les objets vers toi. Viens squeezer tes omoplates comme ça ici. On va avoir la colonne qui est allongée. Quand tu viens tirer ici, squeeze les omoplates ensemble et relâche. Respire bien en même temps. Expire, on lève. Inspire, on relâche. Donc, on continue. Ça va être un 30 secondes de chaque exercice. Et ça va super bien. Encore. 10 secondes. Vas-y à ton rythme. Prends les adaptations au besoin. 3, 2, 1. Excellent. Deuxième exercice. Push press. Genoux fléchis. Abdos solides. Lève le poids au-dessus de toi. Donc, on vient l'élever. Comme ça ici. Tu y vas. Encore un 10 secondes. Continue avec moi. Ça va bien. Et on continue. Respire bien. Expire quand tu lèves. Inspire quand tu reviens. 3, 2, 1. Super beau travail. On passe au sol pour les push-ups. Mains un peu plus larges que les épaules. Tu y vas soit sur les pieds, soit sur les genoux. On veut aller chercher l'amplitude complète, comme ça ici. Garde les abdos solides. Descends en un bloc, relève en un bloc, comme ça ici. On descend en un bloc, relève en un bloc. Au besoin, tu déposes tes genoux pour le faire. Donc, tu prends l'alternative qui te convient. On veut vraiment descendre en un bloc, relever en un bloc. Respire bien, encore un 10 secondes. Yes! On veut essayer d'aller chercher la meilleure amplitude que tu peux faire. Deux derniers, allez, allez, allez! Un dernier! Excellent! On passe aux dips sur la chaise. Amène tes mains, les pieds devant et 30 secondes, on est parti! Donc, descends en gardant le dos, les fessiers près de la chaise et relève. Les fessiers, le dos reste près du banc. Donc, la flexion se fait au niveau des coudes. Inspire, descends. Expire, relève. Tu veux un peu plus de challenge? Tu peux amener tes pieds un peu plus loin devant. Let's go, let's go. 3, 2, 1. Super! Et on le refait une deuxième fois. Va chercher ton poids avec la tirade. Donc, même séquence. Deuxième fois, genoux fléchis. On vient tirer. Et relâche. Tire, relâche. Si tes abdos sont bien engagés, tire et relâche. Tirez et relâche. Deux. Un dernier. Excellent. Ramène tes poids devant la poitrine. On est parti. Lève jusqu'en haut et ramène. Donc, on vient travailler au niveau des épaules. Jusqu'en haut, ramène. Les genoux sont légèrement fléchis. On peut même s'aider un peu avec une poussée des genoux. Tu peux fléchir légèrement les genoux quand tu arrives avant de relever. On continue, on continue. Et 3, 2 et un dernier. Super. Viens-t'en au sol. On s'en va faire des push-ups. Mains un peu plus larges que les épaules. On est parti. Descends en un bloc, relève en un bloc. Si tu es un peu fatigué, que c'est plus difficile, dépose tes genoux. Et on y va. 5 secondes. Pousse, pousse, pousse. 3, 2, 1, excellent! On s'installe sur la chaise, sur le banc. Dernière fois, les dips. Et on est parti. Garde les fessiers, le dos près du banc. Flexion au niveau des coudes. Relève. Le dos, les fessiers restent près du banc. On se rappelle qu'on peut allonger un peu plus les pieds si on veut rendre ça plus difficile ou les rapprocher. Respire bien. Inspire, on descend. Expire, on relève. Encore un 15 secondes. Ça va bien, on continue. Super beau travail. Un dernier. 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Super beau travail. Bravo d'avoir pris le temps de t'entraîner. Même un petit 5 minutes, ça peut faire une différence. Je te souhaite de passer une super belle session, même si elle va être un peu différente. À bientôt!